Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Adventiste FFN, une chaîne où vous pouvez retrouver des méditations, des études bibliques, des témoignages et bien plus encore. Nous vous invitons à découvrir, apprécier, liker et nous permettre de pouvoir faire connaître cet évangile à bien d'autres encore. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout partagez. Bienvenue encore. Je vais vous inviter à pouvoir prier avec nous pour cette étude que nous allons commencer, qui sera sur un thème, je pense qu'elle nous transformera aussi, faire l'impensable. Je suis avec mon invité, Jean-Jacques, bonjour. Bonjour Karine. Bienvenue encore à toi. Merci. Est-ce que tu veux bien prier, s'il te plaît? Notre Dieu, notre Père Céleste, alors que nous voulons nous pencher sur ta parole, nous vous disons que tu puisses nous accorder ton Esprit Saint pour nous éclairer, nous aider à la comprendre. Au nom de Jésus, amen. Amen, amen. Faire l'impensable. Nous étudions ce trimestre le livre d'Ésaïe et donc nous allons étudier à partir des chapitres 52, mais particulièrement le chapitre 53 qui va beaucoup nous parler. Alors il y a d'autres chapitres avant, 50, 51, donc nous évoquerons quelques points. Ici, Ésaïe en fait porte sur un point particulier. Et qui est aussi déterminant dans notre vie. Mais juste avant, Jean-Jacques, faire l'impensable, qu'est-ce que cela t'évoque? Par définition, c'est auquel je ne peux pas penser. Et il y a beaucoup de choses auxquelles je ne peux pas penser parce que c'est au dehors de ma perspective, de ma vision des choses, de ma vision de la vie. Alors, moi, quand je pense à faire l'impensable, ça m'évoque quelque chose qui me demanderait de devoir sortir de ma zone de confort, de devoir faire quelque chose qui alors, je pense que faire l'impensable déjà, comme tu le dis, hein, tu l'as très bien dit, ça dépend de notre positionnement personnel. Et moi, à partir de là, faire l'impensable, c'est quelque chose qui devrait me faire mettre ma vie peut-être en danger pour un autre. Faire l'impensable, ou en tout cas, perdre ma vie. Ce serait peut-être l'impensable pour moi. Maintenant, y aurait-il d'autres dimensions à penser faire l'impensable dans faire l'impensable? Bien, nous avons tous une vision de l'existence, des schémas. Et on essaie de faire tout rentrer en harmonie avec nos valeurs, notre vision de l'existence, nos schémas, notre mode de fonctionnement. Et il y a certaines choses qui demandent de sortir de cette zone, ce que c'est appelé la zone de confort, pour penser autrement. Oui. Et être confronté à des choses auxquelles nous n'aurions jamais imaginé être un jour confronté. C'est ça. Justement, en fait, alors ce qui est fort dans cette notion « faire l'impensable », c'est qu'elle paraît totalement abstraite, puisque comme tu le disais au début, si c'est impensable, pourquoi le penser, en fait? Sauf qu'en réalité, c'est un impensable qui nous demande beaucoup, mais qui peut être réalisé. Ou qui s'impose à nous. Ou qui s'impose à nous, exactement. Et qui nous surprend. Voilà, c'est ça. C'est pour cela qu'on a des expressions du genre « c'est au pied du mur que l'on voit », parce qu'on ne pensait pas en arriver à de telles extrémités. On verrait quelque chose qui est impensable pour l'univers tout entier. Jusqu'à présent, je pense que c'est encore impensable pour beaucoup d'entre nous, mais pourtant c'est une réalité. Alors il y a une petite histoire en fait que j'ai trouvée poignante et que je vais vous lire. Lotfouk, un chrétien chinois, a été ému de compassion par ses compatriotes qui étaient devenus esclaves dans les mines africaines. Il voulait leur donner l'espoir de l'évangile. Mais comment pouvait-il y avoir accès? Sa solution était de se vendre pour une durée de 5 ans comme esclave. Il fut transporté à Demerara, où il travailla dans les mines et parla de Jésus à ses collègues de travail. Lotfouk mourut. Mais après que 200 personnes aient été libérées du désespoir en acceptant Jésus comme leur sauveur. Quel incroyable sacrifice de soi, hein, n'est-ce pas? Pour le bien des autres. Cet homme, en fait, s'est lui-même vendu, fait prisonnier pour pouvoir libérer des âmes. Impensable hein, pour certains.
Ouais, souvent, on voit qu'un impensable se fait lorsqu'on est poussé et motivé par une émotion, par un sentiment très profond, très fort. Les mères font parfois des choses impensables pour leurs enfants. Oh oui, ça c'est vrai. Et je pense que cette notion devrait y revenir encore à la fin. Ça vient du cœur, la profondeur du cœur. Alors, j'aimerais nous inviter à pouvoir prendre particulièrement le chapitre. Alors, il y a le chapitre à partir du chapitre 51. Chapitre 51 et 52. Alors, je vais juste lire quelques passages parce que c'est assez poignant de voir ici ce qu'il se passe. Chapitre 51. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher, d'où vous avez été taillé sur la carrière, d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur votre ancêtre Abraham et sur Sarah, celle qui vous a donné naissance. Abraham était tout seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni, et je lui ai donné une grande famille. En effet, l'Éternel console Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert pareil au jardin d'Éden, sa plaine aride pareil à un jardin de l'Éternel. On trouvera au milieu d'elle la joie et l'allégresse, la reconnaissance et le chant des cantiques. Mon peuple, fais attention à moi. Ma nation, prête-moi l'oreille. En effet, de moi sortira la loi et j'établirai mon droit en guise de lumière pour mes peuples. Ma justice est proche, mon salut est en marche et mes bras jugeront les peuples. L'Éternel va continuer ainsi, tout le texte, on continue. Il dira en fait, par la suite encore au verset 12, « c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme, alors qui va mourir et du fils de l'homme dont le sort est pareil à celui de l'herbe ?» On continue encore, si on va un peu plus loin, au verset 21, « c'est pourquoi écoute donc ceci, malheureuse, toi qui es ivre, mais non de vin. Voici ce que te dit. Voici ce que te dit ton Seigneur l'Éternel, ton Dieu qui défend son peuple. Je te reprends la coupe destinée à étourdir, la coupe de ma colère. Tu ne la boiras plus. Je la donnerai à ceux qui t'ont fait souffrir, à ceux qui te disaient « Allonge-toi pour que nous puissions te passer dessus. » Tu présentais alors ton dos en guise de sol, de rue, pour les passants. Et là, ça continue au verset 52 encore. « Réveille-toi, réveille-toi. Enfile ta force en guise de vêtements. Sion, mets tes habits de fête. Jérusalem, ville sainte. » Verset 2, secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Et en fait, tout cela va continuer. Dieu va continuer, tout chapitre 51-52, à être dans une démonstration de fortification du peuple, dans des mots qui permettent au peuple de pouvoir se dire, parce qu'on rappelle donc à cette époque, le peuple qui est asservi, qui est déporté, qui attend cette libération, cette restauration, cette promesse d'Ésaïe qui prophétise et qui dit à ce peuple-là, ton Dieu est avec toi. Dieu part, en tout cas Ésaïe, donne des paroles très fortes. Alors, Jean-Jacques, on va parler là plus au niveau littéraire. La Bible est un livre, est une œuvre considérée exceptionnelle, un des best-sellers. Pas simplement parce qu'on dit qu'elle parle de la parole de Dieu, ou que pour d'autres, ils l'appellent la parole de Dieu. Pas pour ça. Là, je parlerai pour ceux qui peut-être ont plus d'hésitation, de doute quant à ce livre. Elle est appelée exceptionnelle, ne serait-ce que déjà par sa structure littéraire. Le fait, tous les différents genres qu'il y a dedans, les poèmes, la prose, la narration, les enseignements. Au-delà des genres, il y a aussi les styles, les figures de style qui sont employées, les parallèles, synonymiques, synchroniques, les métaphores et tous les autres styles qui sont utilisés. On retrouve dans ça une œuvre exceptionnelle de littérature et qui, sur plus de 1500 ans par 40 auteurs, a réussi à créer un best-seller aussi cohérent. Alors, ces deux chapitres, mis au milieu de textes où on voyait que Dieu parlait de différents serviteurs et sauveurs qui devaient arriver, ces deux chapitres où Dieu présente là, parle à son peuple pour lui dire « je vais te sauver ». Est-ce qu'on pourrait dire que c'est en fait là aussi une prouesse littéraire d'avoir voulu montrer que oui, ce Dieu puissant est là pour son peuple, ou serait-ce vraiment ces paroles que Dieu aurait dit à ce peuple ? Lorsqu'on lit la Genèse, on dit que Dieu, au départ, va vouloir faire un être à son image. Et l'une des choses qui fait de l'homme un être à l'image de Dieu, c'est la capacité qu'il lui a donnée de mettre sa pensée en mots. Mmh. Et la parole, c'est quelque chose de très complexe, d'éminemment complexe. Cette capacité de transcrire des émotions, des sentiments, des réflexions à travers des mots.
Et je crois que là, Dieu va inspirer, qu'il va susciter des hommes et des femmes et des prophètes, dont le prophète Ésaïe, pour pouvoir transmettre un message, transmettre quelque chose de très fort à travers les mots. Et c'est vrai que la lecture qui a été faite de ce passage, certes, c'est un ouvrage littéraire, c'est de la littérature, c'est de la poésie, mais au-delà du côté esthétique, il y a surtout l'usage de la parole, l'usage des mots pour transmettre quelque chose de très profond, l'amour de Dieu pour son peuple. Merci beaucoup. Merci pour cette clarté, parce que on a tendance à vouloir peut-être s'appuyer sur ces mots mot à mot, mais en fait c'est vraiment cette idée qu'on doit ressortir, qu'on doit comprendre de ce Dieu en fait qui aime son peuple et qui est là pour le soutenir. Mais les mots sont très puissants. Ah oui. Lorsque un fiancé sait trouver les mots pour parler au cœur de sa dulcinée, celle-ci s'effondre, elle fond. Ouais. Elle accepte en elle tout accepte. Cas. Elle dit tout de suite. Ils vont devant Monsieur le Maire, ils disent oui, je le veux. Oui, ils disent oui, exactement. En clair, c'est une manière de montrer à quel point les mots peuvent être de puissants outils pour transmettre l'amour, transmettre les émotions, les sentiments, l'espoir. L'espoir que Dieu fonde sur Jésus-Christ pour sauver son peuple. En tout cas, ce sont des textes qui, pour moi aussi, m'ont parlé, parce que je me dis que dans les moments difficiles que l'on vit, ce sont aussi des textes qui nous rappellent à quel point Dieu est là pour nous soutenir, à quel point il veut sauver son peuple et à quel point il est là pour te dire « n'aie pas peur, réveille-toi ». Moi, j'aime beaucoup le nombre de fois où est mentionné le mot « réveille-toi, réveille-toi ». Et là, au chapitre 52, verset 1er, « enfile ta force en guise de vêtements, Sion, mets tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. En effet, l'incirconcis et l'homme impur n'entreront plus chez toi. Secoue ta poussière, lève-toi et reprends ta place, Jérusalem. Détache les chaînes qui enserrent ton cou, toi la déportée, fille de Sion. » Quelle résonance cela a dû avoir pour ce peuple déporté. Et là, transpire le désir ardent de Dieu d'agir en faveur de ses enfants. Et dans toutes les images, les illustrations, les métaphores utilisées ici, eh bien, n'ont de sens que parce qu'ils sont porteurs d'un message d'amour de Dieu pour le peuple d'Israël et au-delà d'Israël pour l'humanité tout entière, qu'il veut désespérément sauver. Alors, on a vu à quel point donc notre Dieu, là, il veut sauver désespérément. Et ça va nous amener à faire l'impensable, ou en tout cas à comprendre quel est cet impensable. Chapitre 53. Alors, Jean-Jacques, est-ce que tu veux bien nous lire le chapitre 53, s'il te plaît, d'Ésaïe ? Qui a cru à ce que nous avons annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel l'a frappé pour l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse, le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau parmi les riches, croit qu'il n'eut point commis de violence et qu'il n'eut point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après l'avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Délivré des tourments de son âme, il rassasira ses regards. Par sa sagesse, son serviteur, mon serviteur juste, justifiera beaucoup d'hommes. Et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables.
Amen. Alors, Jean-Jacques, juste avant, j'aimerais que tu puisses, parce que souvent on prend le chapitre 53 juste en lisant le chapitre 53. C'est ce qu'on aime beaucoup faire parce qu'on, pour ceux qui savent déjà de qui on parle là, ils savent. Donc, on évoque le chapitre 53. Mais à la fin du chapitre 52, peux-tu lire les versets 13 à 15 qui introduisent en fait, en réalité, le chapitre 53 ? Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait point été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen, amen, amen. En fait, au verset 13, là, qui introduit donc par la suite le chapitre 53. On rappelle que les chapitres ont été mis bien plus tard, au 6e siècle, donc ce n'était pas, au départ, c'était un texte tout entier. On voit ici qu'on reparle d'un serviteur. Je dis bien reparle parce que l'étude précédente, donc de la semaine dernière, on parlait du serviteur, de ce serviteur spécial, qui était donc au chapitre 42, et qui était ce serviteur Jésus-Christ. Parle-t-on ici du même serviteur ? Ou un autre encore ? On parle encore du serviteur qui est appelé à souffrir, donc de Jésus, Jésus-Christ. Et alors pourquoi en fait avoir, alors déjà, pourquoi faire deux références à ce serviteur en fait Jésus-Christ ? Pourquoi ne pas simplement avoir fait une seule référence où tout était compliqué ? Pourquoi ici faire un détail plus précis, une description plus précise en fait de ce qui est quand même une description de souffrance. Parler de Dieu ou de... Prenons autre chose. Parlons d'un homme qui va servir, qui va rendre service à quelqu'un. Cela se conçoit. Oui. Par contre, quelqu'un qui va perdre sa vie, qui ira dans la souffrance pour sauver ou même aider quelqu'un, c'est autre chose. Et là, à travers ce chapitre 53, on est propulsé dans une dimension qu'on n'a pas pu imaginer. Le sacrifice ultime auquel Dieu est prêt à consentir par amour pour ses créatures. Il y a d'ailleurs une autre notion ici, hein, parce que quand on parle, si on se remet dans le contexte en fait, de ces Juifs en fait, qui sont déportés, ces Israélites qui sont déportés, c'est quand même... Pour une personne, il y avait une certaine honneur. Il y avait un honneur, en fait, pour les hommes. Il y avait un honneur, en fait, qui était aujourd'hui, on voit sur Netflix ou dans d'autres films, on voit beaucoup de violence, on peut voir des personnes qui piétinent d'autres personnes. Mais il y avait quand même une portée forte à, par exemple, donc là, mépriser quelqu'un, le délaisser, en fait, pouvoir, en fait, lui jeter des regards, en fait, dédaigneux. C'était une forme, mais qui dépasse notre compréhension d'humiliation, de méprise. Bah, nous y sommes confrontés tous les jours. Mmh. À une situation, nous sommes en classe, nous sommes au travail ou à la maison, on parle et l'autre ne nous répond pas. Elle nous ignore. Comment est-ce qu'on se sent ? On se sent méprisé, dédaigné, parce qu'on n'a fait aucun cas de nous. Mmh. Or, c'est une situation à laquelle nous avons tous été confrontés un jour ou l'autre. Et qu'une situation pas très compliquée, juste le fait d'ignorer quelqu'un. Et il y a des cultures où le regard est parlant. C'est une culture entière, on doit croiser quelqu'un. De manière pas juste le regard, mépriser quelqu'un. Au journal télévisé, il y a quelques années, il y a un jeune homme qui a admis avoir tué quelqu'un, il m'a mal regardé. Waouh ! On tue quelqu'un pour un regard ? Oui. Donc on voit quand même qu'il y a une sensibilité à l'attitude de l'autre vis-à-vis de nous. Et nous y sommes tous sensibles. C'est-à-dire qu'ils sont hypersensibles. Oui. Et c'est aussi en partie culturel. Mais nous sommes confrontés à la gestion des relations humaines. Et personne n'aime être méprisé, ignoré, maltraité. Et parfois, ça s'exprime plus violemment. Et là, on parle de crachat, on parle de fouet. Et on va parler de violence physique. Et on voit là, ici, que Jésus a accepté pas seulement le mépris, l'indifférence, mais des choses violentes, même physiquement. Oui, tout à fait.
Tout à fait. Et justement, dans cette souffrance physique, parce qu'on parle de Jésus, donc on l'a dit dans la leçon de la semaine précédente, ce Jésus qui est le Christ, qui est le Messie, qui est le Sauveur, il vient servir et sauver. Alors le salut, cela doit passer par la souffrance, en fait ? Déjà, avant même d'arriver à cela, quand on dit Jésus, il faut qu'on s'imagine Dieu. Parce que Jésus est Dieu. Au commencement de la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait sans elle. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Ouais. Imaginez le Créateur qui accepte ne serait-ce que de revêtir la nature de la créature. Ça, c'est déjà une humiliation. Et même si Jésus est incarné comme Adam, dans une perfection physique, c'eût déjà été une certaine forme d'humilité. Oui. Parce qu'il est créateur. Vous imaginez la puissance de celui qui a dit que le soleil soit et le soleil vient à l'existence. Il ne peut être contenu. Une boule d'énergie extraordinaire. Quand il parle, il amène les choses à l'existence. Oui. Les choses qui n'étaient pas viennent à l'existence. Donc c'est un Dieu qui est... C'est Dieu, quoi. Il n'y a pas de mot pour le décrire. Oui. Et qu'il accepte de venir sous forme d'homme, de s'incarner. C'est déjà une preuve d'humilité extraordinaire. Il n'a pas cherché à nous sauver en restant dans son confort céleste. Et ça, c'était déjà impensable, même pour les anges, même pour les créatures de l'univers tout entier. Et c'est pour cela que Jésus, par sa vie, par son incarnation, a révélé quelque chose d'impensable à propos de Dieu. Il a révélé partiellement la profondeur de l'amour de Dieu. Qui aurait pu imaginer dans l'univers tout entier, parmi les créatures et les anges, les archanges et tout ce qui s'ensuit, que le Créateur accepte de prendre la forme d'une créature, pire, de vivre comme créature dans la souffrance et de mourir de la pire des morts, même parmi les pires des créatures. Quand tu dis ça, non. Justement, ça, on ne peut pas le comprendre. Et d'ailleurs, il y a autre chose. Dans le monde dans lequel on vit là, ce monde médiatisé, où en fait, on est à l'heure du beau, ou en tout cas, star system, du total subjectif de la beauté, il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quel est le but d'amener un sauveur qui finalement n'attirera pas du tout les regards? Mais c'est là justement le grand mystère du salut. D'ailleurs, certains catholiques parlent du mystère de l'incarnation. Il y a beaucoup de mystères, des choses qu'on a du mal à comprendre en état actuel des choses et qu'il nous faut l'éternité pour comprendre tout cela. Comprendre comment l'amour se manifeste. Il ne se manifeste pas toujours sous la forme sous laquelle on l'attend. L'amour se manifeste sous forme de service, d'humilité, de dévouement, de sacrifice et voire de douleur. Et c'est pour ça qu'on parle souvent de la femme qui accouche. Pourtant, elle va aimer cet enfant tellement qu'elle oublie déjà sa douleur, à peine l'a-t-elle vécue. Parce que la maman, pour son enfant, est prête à des sacrifices extraordinaires. Et on parle souvent de l'amour de la maman pour ses enfants, parce que dans le pauvre monde dans lequel nous sommes, c'est l'un des plus bels exemples d'amour qui soit. Et ça illustre un petit peu, de manière infinitésimale, l'amour de Dieu pour nous et qu'il a exprimé à travers la personne de Jésus qui va parler à nos cœurs et qui par cet amour va attirer les hommes à lui, va réconcilier la terre avec le ciel. J'aime bien ta transition sur le cœur justement parce que ce texte me venait quand Samuel en fait recherche en fait celui qui va remplacer le roi Saül et qu'il recherche donc David et quand il va voir en fait tous les frères là qui vont être beaux, qui vont être musclés et que Dieu va lui dire non, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil mais Dieu regarde au cœur. Et est-ce que ça nous interpelle quand même là et c'est une petite parenthèse pour dire que est-ce que nos cœurs sont bien portés sur ce que Dieu veut? Parce que finalement, notre cœur regarde peut-être à ce qui plaît à nos yeux. Mais il semblerait que ce Christ qui est arrivé, ce n'était pas par son aspect qu'on allait le reconnaître. Mais c'était par ce qu'il représentait, par le cœur qu'il représentait, par ce qu'il dégageait en fait. Et comment nos cœurs allaient être attirés à lui. Et ça remet complètement en question quand même notre conception de la réalité qui nous entoure en fait. C'est vrai que nous sommes dans une réalité que nous percevons à travers nos cinq sens. Ce que j'entends,
Il y a des voix qui sont douces et agréables. Ce que je vois, il y a des choses que nous considérons comme étant belles, ce que nous goûtons, sentons, touchons. Et nous sommes tellement habitués à vivre avec ce monde à travers nos sens, qu'on a du mal à s'extirper de cela pour voir au-delà, ouais. plus loin, plus profond. Et parce que Dieu est au-dehors de notre réalité humaine. Il va au-delà de nos sens, on ne peut pas le percevoir avec nos simples sens. Dirais-tu au-delà de l'impensable ? Au-delà de l'impensable. On revient justement à notre étude et on continue de rester dedans parce que cette notion d'appel au cœur, justement, c'est ce qui nous a été manifesté. Et là, il y a une question, alors, comme on partageait un petit peu sur le sujet, et, c'est la question de théologie. La question de théologie, est-ce qu'il fallait la mort ? Puisqu'on voit là le chemin de douleur que Jésus aura à traverser, est-ce qu'il faut forcément la mort pour pouvoir accéder à ce salut ? Pourquoi la mort ? C'est une question tellement complexe que la Bible utilise beaucoup d'images pour nous donner plusieurs angles d'approche pour essayer de percevoir le mystère du salut en Jésus-Christ. Mmh. Il y a l'image de la rançon, il en est servi comme une rançon, on imagine que nous sommes kidnappés par le péché et que Jésus va devoir payer le prix. Ouais. Pour nous en délivrer. Le prix. On parle d'une image tirée du commerce. Il nous a rachetés. Ouais. Il nous appartenait. Et puis, d'une manière ou d'une autre, on a été volé, kidnappé, et il va devoir payer à nouveau pour qu'on soit à nouveau à lui. Donc, c'est l'idée de la transaction financière, le rachat. Exactement. Et à l'idée donc, de la prison, il nous a délivrés. Nous sommes dans une prison, il n'y a pas moyen d'en sortir. On va parler de Jésus comme étant l'avocat qui va venir nous défendre. Donc une image tirée du monde carcéral, du monde judiciaire. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'images. Il y a des images tirées aussi de la nature. On est greffé à Dieu. Donc on parle aussi de l'image de la famille. Nous avons été adoptés. On n'était pas enfants, mais il va par l'adoption faire de nous ses enfants. Beaucoup de métaphores, beaucoup d'images pour nous donner quelques aperçus de quelque chose qui reste tellement grand et profond qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais on arrive quand même à percevoir que Dieu n'a pas hésité à mettre sa main dans le cambouis, comme on dit. Il ne nous a pas sauvés en restant dans son confort. Tout à fait. Il est venu parmi les hommes, il a vécu parmi les hommes. Il va vaincre la mort par la mort. Mmh. Ça, c'est un miracle. Au-delà de la mort, la vie. Et l'image qui est souvent utilisée, c'est ce grain qui, pour donner beaucoup de grains, doit mourir. Oui. Si le grain reste intact, bien sec, bien protégé, il restera tout seul. S'il meurt, il porte du fruit. Cette image tirée de la nature illustre bien ce mystère. C'est par la mort de Jésus qu'il a vaincu la mort et qui rend possible ma vie éternelle. Mais d'ailleurs, ce qui est beau, parce que tu fais... C'est tellement beau ça, quand tu parles de cette vie éternelle, en réalité, même bibliquement en fait, la mort c'est une fin pour un renouveau en fait. C'est l'arrêt de quelque chose qui finalement n'était pas si bon parce que nous on voit la mort dans cette vie comme la fin de tout. Mais nous rappelons que nous sommes dans un monde de péché, dans un corps de péché, et que cela va s'arrêter définitivement pour pouvoir accéder, comme tu le dis, à cette vie éternelle qui sera là une vie de paix et qui dépasse notre compréhension. Donc, c'est peut-être parce que dans notre culture ou dans notre compréhension, nous avons arrêté à ce mot mort, en fait, une compréhension qui dit que, voilà, tout s'arrête, tout est fini. Bah, mais tout est fini, oui, certes, mais pas nécessairement dans la tristesse, en fait. Ça nous rappelle que l'homme n'avait pas été créé pour mourir. Exactement. Et au plus profond de nous, on veut vivre. Oui. Il y a quelque chose qui fait que la mort est inacceptable. Les hommes meurent de tout temps. Et pourtant, on n'a jamais rencontré... quelqu'un ou une culture qui disent que la mort c'est super joyeux, c'est génial, c'est magnifique. Non, on a envie de vivre parce qu'au fond de nous, on sent qu'on avait été créé pour vivre. Amen. Même si cette vie est difficile, même si elle est compliquée, même si elle nous fait souffrir, on a envie de vivre. Et en quelque part, Dieu nous dit justement que ce que vous ressentez vient de la création et j'ai un projet pour vous aider justement à accéder à cette vie éternelle, mais cette vie éternelle de bonheur. Amen, amen. Amen. En guise de conclusion, je pense que dans cette étude, nous avons pu voir à quel point le Tout-Puissant, l'Éternel, le Dieu, Dieu a donné ce qu'il est pour pouvoir venir te chercher toi. Me chercher moi, te chercher toi, Jean-Jacques. Eh oui.
Quand on voit cela, je ne sais pas quelle a été ta semaine, quelle a été ta journée, je ne sais même pas là, à ce moment-là, ce que tu vis, mais ce qui est sûr. Tiens, Jean-Jacques, peut-être que toi, tu peux donner cet encouragement pour cette personne-là qui, là, à ce moment, s'était dit, bon, elle vit sa vie dans son train-train quotidien, ou alors, là, je commence à être fatiguée de cette vie, ou alors, bah, j'ai perdu un être cher et je ne m'en remets pas. Qu'est-ce qu'on peut dire là à cette personne? Je ne dirais pas mieux que le prophète Ésaïe, où Dieu dit, ne crains point. Ne promène pas des regards inquiets. Et il dira au chapitre 43, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Amen. Quelle déclaration d'amour. Alors si l'être le plus extraordinaire de l'univers, le Dieu Tout-Puissant Créateur, me dit à moi personnellement, à toi personnellement qui nous regarde, je t'aime, tu as du prix à mes yeux, ne t'inquiète pas. Alors, cela veut dire que si j'ai de l'importance pour lui, alors je peux avoir de l'espoir. Parce qu'il m'aime. Amen. Et qu'il a un projet et un plan pour moi. Il t'aime, tu es aimé. Que le Seigneur nous permette de pouvoir encore plus approfondir ce chapitre. Prenons le temps de le lire et voyons, comme tu l'as dit Jean-Jacques, nous avons du prix, une valeur inestimable qui a fait réaliser l'impensable. Bonne étude à tous.